jusqu'au 6 février avec de la musique aussi. Hein. Et puis le tirage des taureaux m'a aussi beaucoup motivée avec le son de Abba, qui sont des sons assez thérapeutiques pour moi et qui mettent toujours de bonne humeur. J'aime bien tout ce qui est Abba, Mozart, Beethoven. Vraiment, c'est des sons, tu écoutes et après ça va tout de suite mieux. Donc c'est parti pour les béliers. Je pense que ça va être un excellent tirage parce que je suis au taquet. Pas que pour ça, mais on verra les énergies. Là, je les sens déjà d'entrée quand je pense aux béliers. Donc on souhaite la bienvenue aux tout nouveaux. Welcome pour les tout nouveaux sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je poste une fois par mois en fait une lecture sentimentale comme celle-ci pour le mois de février et puis une lecture générale que j'ai déjà postée d'ailleurs que tu pourras aller regarder. Sur ma chaîne, tu as aussi la possibilité, une carte cassotée, tu as aussi la possibilité d'avoir juste en bas de cette vidéo, tu vas voir, il y a un super lien qui va te diriger vers une lecture intuitive, une vidéo que j'ai faite. Elle est un peu longue, elle dure 1 heure à peu près la vidéo, mais elle est complète pour le bélier pour l'année 2022, donc de janvier jusqu'à décembre. C'est une petite pépite. Enfin, si tu viens d'arriver, ouais, une des plus belles vidéos que j'ai faites, qui a eu plus de 40 000 vues, c'est la vidéo des béliers pour l'année 2021. Donc voilà, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une très, 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 très belle vidéo. Bah, c'est ma plus belle vidéo. Pas parce qu'elle a eu le plus de vues, mais parce que vraiment, ouais, elle était assez complète, détaillée. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Année 2021, si tu veux la revoir, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai eu des très, très bons retours des béliers. Bon, là, maintenant, on reste concentré. On va parler du sentimental. On va parler d'amour. Donc pour cela, j'attire ton attention, que j'aimerais bien que tu puisses être concentré, prendre un peu de recul, hein, un petit peu, tu prends un peu de recul sur tout ce que je vais lire. Donc c'est moi qui fais la lecture intuitive, ne pas faire de surinterprétation, d'accord. C'est une lecture plutôt générale, ok, on n'est pas sur une séance privée avec moi. Prends vraiment ce qui résonne le plus en toi et le reste, tu laisses de côté, ok. Ça pour moi, c'est très important. Si tu sens que cette lecture intuitive, elle te rend un petit peu nostalgique, un petit peu triste, tu quittes la vidéo, c'est pas grave, c'est que tout simplement aujourd'hui, je n'ai pas de message pour toi, ok? Si au contraire, cette vidéo, elle résonne, il y a des choses qui, waouh, ça te touche, ça réchauffe ton cœur, tu te sens bien, bah, c'est que voilà, il y avait peut-être là-dedans, dans cette vidéo, il y a eu des messages qui étaient vraiment destinés pour toi, ok? Voilà, n'hésite pas à liker à la fin de cette vidéo, pourquoi pas déjà mettre le petit pouce bleu, comme ça au moins du coup tu n'oublieras pas pour après, ça fait avancer ma chaîne, et pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonné avec la petite clochette à côté pour recevoir des notifications quand je poste des vidéos. Des fois je fais des petits concours, des concours, et puis je fais pas mal d'actions, des offres sur des séances avec moi. Allez, ça a sauté, on les prend. Donc voilà, actuellement, il y a une promotion jusqu'à mi-février. Moins 30% sur mes lectures intuitives personnalisées. Donc si tu as envie d'un petit moment avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Allez, maintenant, on se concentre sur ton tirage. On va regarder sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental pour le mois de février. Alors là, il y a déjà 3 cartes qui ont sauté. C'est très très bien. On va regarder maintenant avec les autres. Waouh, super! On est bien les béliers là. Tu vois, je t'avais dit dès le départ. Ça sent les bonnes énergies, les bonnes vibes. Va les chercher. Ça sent bon. Tu vois, il y a de la santé. Tu prends soin de toi. C'est génial. Allez, encore 3 bonnes cartes, s'il vous plaît. Tu vois, surprise. Tu vois, belle évolution. Allez, dernière carte. C'est souvent les dernières qui sont les plus coquines. Attends. Enfin, coquine, qui donne un peu le rythme. Allez, on va prendre celle qui est tout en dessous, là. Voilà. Évolution 2 fois. Ok, alors j'en reprends encore une autre. Belle évolution. Ok, elle est là. Au niveau de la communication. Ok, super. On va regarder avec ces cartes qui ont sauté. Waouh, la loi de l'attraction. Ok, la loi de l'attraction. Est-ce que tu pratiques la loi de l'attraction? Tu connais ce pouvoir de la loi de l'attraction? Tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, cette puissance que tu as à l'intérieur de toi, ces intuitions, tout ce que tu as, tu peux multiplier. Tu vois, ce désir peut-être de rencontrer la personne. J'aimerais rencontrer un homme qui correspond à mes attentes, un homme avec qui je pourrais... tu vois, ici, on parle de loi de l'attraction, et puis je parle tout de suite de l'homme. Hein, tu vois, on a la carte du rêve. Ici, on a les yeux fermés, on a la lune ici. On va peut-être parler d'intuition. On va peut-être parler de loi de l'attraction. On va
regarder. Et ici, on a, waouh, super, la plume fuchsia. Alors, plume fuchsia, on va regarder ici. Tac, 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 j'ai pas de plume fuchsia ici. J'ai pas de couleur rose. J'ai une couleur rose ici au niveau du rêve. On a le flamant rose ici. Donc, c'est un nouvel oracle hein, pour les anciens qui me connaissent déjà depuis un moment. Donc, c'est un nouvel oracle, l'oracle des plumes et des nombres. Je vais vous montrer tout de suite, comme ça au moins c'est fait, puis on garde la signification directe. L'oracle des plumes et des nombres, super. Moi, j'ai eu un coup de foudre. Ça, c'est rare que j'ai des coups de foudre comme ça. Moi, il faut vraiment me séduire, vraiment. Et là, cet oracle, franchement, je l'ai vu, je l'ai pris en main tout de suite. Ça passait entre mes mains. Les messages sont beaux. Donc, voilà, je vais vous lire la plume fuchsia pour vous ici. Les béliers, on va nous parler un peu d'insouciance. La plume fuchsia vous indique qu'il est temps d'aller de l'avant en toute insouciance. Fini le temps des tournements, des tourments, la félicité est arrivée. La plume fuchsia vous demande de cultiver la joie qui est la nature profonde de votre âme. Si vous avez des tracas, il sera bien temps de vous y attarder utile ultérieurement. Pour le moment, l'heure est à l'insouciance. Ça te parle, l'insouciance? Si vous êtes au cœur d'une période agitée, c'est en lâchant prise que vous verrez émerger la solution qui est sur le seuil de la porte d'entrée de votre âme. Ok, alors pour moi, donc, moi, je ne suis pas bonne élève. Hein. Je m'inspire un petit peu, là, ces derniers temps, ces prochains mois, un petit peu sur le livre d'Alexandra Gabriel. Et ensuite, je pars dans mes intuitions, je m'évade. Pour moi, le fuchsia, alors ici, on voit qu'elle parle d'insouciance sur le plan sentimental. On y va, on fait confiance, on se lâche complètement. Moi, le rose fuchsia, c'est vraiment la douceur pour moi. Hein. Je pars un peu dans mes intuitions ici. C'est la douceur, c'est un éclairage pour moi aussi. La plume rose fuchsia, c'est des bisous, des câlins, des moments coquins ici. Je prends la plume rose, je la dirige ici vers la carte du rêve. On voit le flamant rose. On pourrait voir, vous prenez un peu de hauteur aussi ici. Par rapport à votre relation sentimentale, on prend un peu de hauteur, on regarde un petit peu comment ça se passe et on voit que ça se passe bien. Vous êtes serein, vous êtes calme. Le rose, pour moi, c'est beaucoup de calme. Il y a moins d'agitation. Moins d'agitation. On prend les choses. Alors, on vous sent très calme. Peut-être avec des envies de... Hein, avec la carte ici éclairée au lit... la lune qui est là, ben, on sent que les béliers ont besoin de tendresse, de douceur. Voilà, c'est ce que je ressens ici pour vous. Plume fuchsia, je n'ai pas d'autres couleurs ici, d'autres couleurs roses, hein, parce que je prends un petit peu la plume qui me dirige un petit peu vers d'autres couleurs roses que j'ai. Et puis ici, pour les béliers, on va s'arrêter là. On va s'arrêter ici avec la plume fuchsia, vous comprenez? Alors, on a peut-être ici des discussions. Hein, ici, avec, on peut se retrouver autour d'une tasse de thé. On peut avoir une discussion ici améliorée, pardon, avec la carte plume qui vient se mettre ici sur la carte parole avec la petite tasse de thé ici. Hein. Ah, on parle de camomille, on se calme un peu pour les béliers. On écoute un peu plus son cœur, on parle avec son cœur ici au niveau de la communication. J'ai une belle évolution. On me dit non, écoute, non, au niveau communication, eh ben c'est bon, ils évoluent super bien. Ils se surprennent même par eux-mêmes. Ils prennent soin d'eux ici, les béliers. Ils ont vraiment envie, tu comprends, Elena, d'une relation sentimentale saine. Et ça, c'est leur objectif. C'est comme ça. Pour les hommes taureaux, alors pour moi, pour les hommes taureaux, pardon, excusez-moi, j'ai fait les taureaux tout à l'heure. Pardon. Pour les béliers, nous sommes chez les béliers ici. Pour les béliers, les hommes béliers, vous êtes en train de guérir, hein, pour moi, de vos blessures, d'une relation sentimentale un peu difficile dans le passé. Je vous sens pas les béliers ici. Tac, tac, tac. Avec l'envie de beaucoup papoter, discuter. Je vous sens pas ici avec l'envie de beaucoup discuter. Alors, on peut avoir une amélioration au niveau de la discussion, mais on vous sent plutôt à l'écoute. C'est-à-dire qu'en phase de séduction, ici on est dans un tirage sentimental,
Voilà, donc vous êtes plutôt à l'écoute. Vous restez là, vous écoutez, et puis on n'est pas trop dans la séduction, mais on a envie d'accueillir des informations. Donc vous posez des questions avant de vous mettre en accord avec une personne, vraiment besoin d'apprendre à la connaître. Et puis on verra plus tard comment ça va se passer. Ici, j'ai l'homme qui regarde la loi de l'attraction, hein, donc on a peut-être pas mal de béliers. Homme ou femme, peu importe, où vous travaillez déjà avec la loi de l'attraction et où vous trouvez ça même surprenant, avec des résultats impressionnants, où pour moi, la loi de l'attraction, ça peut être aussi des demandes, hein, des prières, ça peut être des pensées positives. Hein. Pour moi, c'est très positif ce tirage-là. Si ça ne vous parle pas, en tout cas, on vous invite dans le côté prière, hein, pensée positive, mentale, loi de l'attraction ici sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on vous écoute, ça va venir, ça va vous surprendre, on va vous transmettre ce cadeau ici. Très bon tirage pour. Mais j'ai quand même. Tu vois, la carte retard, elle me ralentit dans ce que je dis, en fait. Elle ralentit cette carte retard. Donc, ça veut dire que pour moi, au mois de février, on est plus dans la découverte, dans la discussion. On apprend à se connaître. Là, je suis pour les célibataires, hein. Donc, on n'a pas la grande rencontre, la super belle rencontre. Pourquoi? Parce que je pense que vous prenez, avec le flamant rose ici, vous prenez un peu de recul par rapport à cette personne que vous venez de rencontrer. Vous prenez votre temps. On peut louper deux, trois rendez-vous. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'une relation sentimentale stable, hein, un contrat de confiance, une relation saine. C'est tout. Enfin, pas que c'est tout, mais voilà. Déjà, à la base, moi, je veux bien m'entendre avec la personne, bon feeling. On part sur quoi? On part sur une relation stable, on évolue. Ok, c'est bon, c'est signé. Mais ici, voilà, dans des conditions saines, avec une personne saine qui vient pas avec ses problématiques du passé, parce que moi, j'ai pas le temps. Le bélier ici n'a pas le temps de discuter, de papoter. Il n'est pas psychologue, elle n'est pas infirmière à venir guérir tes douleurs du passé. Alors voilà, si vous n'êtes pas bélier et puis vous venez guigner le tirage de votre femme ou de votre homme, ici, vous comprenez, ils sont plutôt. Moi, j'aime bien les béliers comme ça parce qu'ils sont plutôt, ils sont dans une belle évolution, ils prennent un peu de recul, les choses arrivent gentiment, ils ont besoin de parler, de négocier, de discuter, de vous poser des questions. On part pas tête baissée dans cette relation. Si on parle maintenant de tous ceux qui sont en couple. Alors, pour moi, ça va très très bien, hein, sur le plan sentimental, avec la loi de l'attraction, une relation plutôt saine. On pourrait avoir donc une surprise, un cadeau. Ben, c'est la période un peu de la Saint-Valentin aussi, peut-être. Oui, peut-être une demande en mariage. On peut avoir le bélier qui a peut-être pris l'homme bélier, pardon, qui a pris son temps. Il a loupé une occasion, peut-être la dernière fois, il a pris son temps pour réfléchir. Il se sent bien ici, dans cette relation avec vous. Et il pourrait, madame qui n'êtes pas bélier, ben, peut-être faire une demande en mariage, avouer ses sentiments. Il part vraiment, alors peut-être qu'il a guéri de ses blessures, mais ici avec la carte santé, c'est incroyable, hein, c'est vraiment. Donc ici j'ai un retard, puis là j'ai quelque chose de dynamique. Hein. Alors on pourrait avoir un mois de février un peu lent, et puis dès qu'il y a le. C'est-à-dire, première partie du mois de février, les choses avancent plutôt tranquillement, et dès qu'il y a un accord ici, je vois une rapidité ici, une belle évolution. On parle beaucoup. La plume rose pour moi, ben, on parle d'insouciance. Alexandra Gabriel, la numérologue, hein, la créatrice de l'oracle, parle d'insouciance. Pour moi, ici, dans mon tirage, je ne vais pas parler d'insouciance. Je ne sens pas du tout ici le bélier insouciant. Au contraire, je sens beaucoup de douceur. Vous savez parfaitement ce que vous faites. Alors, cette insouciance, ça peut être. Waouh, mais je suis en accord avec elle. Et là. Je me laisse aller en accord avec elle ou avec lui. Je me laisse aller parce que ça sent bon et j'aime cette relation comme elle est. On peut avoir ce côté insouciance comme ça ici. Hein. Pour tous ceux qui sont en triangulaire, hein, si on peut parler pour tous ceux qui sont en triangulaire,
Pour moi, il y a une lenteur aussi. On ne se voit peut-être pas au courant de cette première semaine. Et puis après, on peut avoir une évolution ici, une belle évolution. On a des discussions. Ah ouais, la carte insouciance ici, on peut avoir des discussions. Pas cash, mais assez clair. La carte contrat et insouciance, ça m'invite à dire que voilà, si vous êtes en triangulaire, on va parler avec beaucoup de douceur de cette relation. On va poser des mots. On va peut-être vous surprendre, ou vous allez peut-être surprendre le compagnon. Voilà quoi. Maintenant, j'aimerais bien que ça évolue différemment entre nous deux. J'ai été trop longtemps dans cette insouciance. Maintenant, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. J'aimerais vraiment maintenant du concret. Waouh. Hein, tu vois, on voit vraiment, j'aimerais vraiment du concret. Voilà. Avec la carte de la loi de l'attraction, c'est très fort ici pour tous ceux qui sont en triangulaire. Très, très, très beau tirage. On va regarder le questionnement. On vous voit poser plus de questions ici. Évolution parole. Vous posez des questions, vous rentrez en accord, il y a des négociations. Signature, c'est bon, hein. Sur le plan sentimental, cette carte, elle est puissante. Hein. Ouais, très très forte. Hein. On va vous faire une surprise. Je pense que même vous, vous êtes même surpris, je pense, de votre propre évolution. Vous aimez bien la tournure que. Je sais pas, est-ce qu'on a peut-être certains béliers? Faites-moi un petit message si ça vous parle ici. Certains béliers qui sont en train de guérir de leurs blessures. On vous sent très doux ici. Cette plume, moi, j'ai beaucoup de douceur. J'imagine des. Ouais, j'ai beaucoup de douceur ici. Vous écoutez votre cœur, les béliers. Encore une fois, tout le mois de février, tous les tirages que j'ai faits pour le mois de février, il y avait la carte paix qui venait ici à la deuxième ligne. C'est rigolo, hein? C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Alors, c'est rigolo, hein? Moi, des fois, je trouve j'ai ces synchronicités, c'est fou. Ouais, donc c'est paisible, c'est une relation plutôt calme, vous êtes en couple, ben, ça va être assez doux ici. Ouais, vous voulez vraiment beaucoup de paix, beaucoup de douceur, beaucoup de câlins. La paix, elle vient sur le lit ici. Vous voyez, on se retrouve, on est câlinou. Ouais, ça va vous faire du bien. Ouais, il y a cette rapidité. Rapidité, je l'avais dit tout à l'heure même. Rapidité sur le retard, ça c'est rigolo, hein. Rapidité, ouais, c'est. Alors, on dirait que des fois vous mettez la cinquième, puis des fois vous ralentissez. Ça peut être ça, une conduite un peu. Voilà, des fois ça peut aller très lentement, et puis après un peu plus rapidement. Moi je pense plutôt, non, je pense plutôt que cette relation, elle était très lente jusqu'à arriver à cet accord. Et puis là, maintenant que tout va bien, là maintenant que vous vous sentez bien, ben on va avoir un peu plus de rapidité, ça va aller plus vite maintenant. Waouh, j'ai la carte du plaisir. C'est beau. Ouais, celle-ci, elle sort toujours la carte de l'enfant. Nous avons des béliers, peut-être hommes ou femmes, qui ont vraiment des envies d'avoir des enfants. Ça sort souvent cette carte. Ou on peut avoir maintenant un plaisir aussi pour les familles monoparentales. Vous vous retrouvez ici avec tous les enfants. Ça va être super rapide. On a envie de faire tout ensemble avec les enfants. J'ai beaucoup de plaisir. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de plaisir. Alors, il y a un point ici qui est très fort pour vous, les béliers. Votre conjoint adore. C'est quoi ça? Parole insouciance ou parole. Vous comprenez, il aime bien parler avec vous. Il a beaucoup de plaisir à vous écouter parler. Ou vous, vous l'écoutez plus. Ou. Ah, il va peut-être votre conjoint ou vous allez avoir du plaisir à parler d'enfants et les choses, ça va glisser, il y aura plus de contraintes. Vous voyez, je pense que c'était peut-être un peu bloqué
janvier, là. Et puis que là, on peut parler maintenant avec beaucoup de douceur de votre projet de bébé. Ou on peut parler de projet de famille. Ouais, ici. Le point fort pour vous ici, ça va être la communication, les béliers. C'est très très beau. Ouais. Même vous, je pense que vous allez être surpris en fait de ce côté beaucoup plus paisible. C'est ce que vous voulez, quoi. Une relation saine ici. Voilà. Voilà les béliers. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. C'est assez doux, hein, avec la plume fuchsia, c'est assez doux. Faites-vous confiance. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Je réponds assez rapidement au message. Et là, actuellement, il y a une promo de moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette promo, n'hésitez pas, c'est maintenant. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!